sur un bon petit déjeuner. À la tienne. Allez, c'est le moment pour moi de me préparer. Je commence par le primer de chez Fenty Beauty. J'attaque avec la CC Crème de chez Herborian. Et l'anti-cerne de chez Tartre. Un bon petit coup de bronzer, histoire de m'apporter bonne mine. Est-ce qu'on n'est pas prête pour aller Allez hop, on go. Allez, attention le truc là. Je pense, super. Voilà. Ouais, je pense que on est là. À mon avis, on fait ça, c'est ça, ça donc par là. C'est, ça, ouais. C'est celle qui va couper. Donc vous, ça sera sur la gauche, je pense. Ok. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Comme vous avez le visage fin, oui. Ça va vous faire gonfler ici. Ah. Et c'est pas beau du tout, ah ouais. D'être gonflé ici. Okay. Vous allez juste être gonflé ici. D'accord. Parce qu'en fait, c'est pas un problème de volume. Oui. C'est la peau qui alors vous c'est un degré très léger. Hein. Oui. C'est la peau qui relâche en fait. D'accord. Vous prenez votre main et vous tirez un tout petit peu en arrière. Oui. Ouais, c'est ça qu'il faudrait en fait. Tu te rappelles dans mon feed Instagram, je t'ai parlé que j'envisageais peut-être de faire des injections. Par rapport aux rides sur mon visage. Du coup, j'en discute avec le professeur. Je lui pose mes questions, mes interrogations. Et je reprends rendez-vous, mais je reste encore... Je m'interroge toujours. Alors, tes ressentis ? Bah, je vais faire botoxer la tronche dans 2 semaines. Satisfaite ? Les petites rides juste ici seulement. Ici, il n'y en a pas besoin. J'ai un visage parfait. Bon, ben rien. Ah. J'ai pété mon ongle. Allez, aux injections de papa, qu'est-ce que t'auras pas?
direct. Pour un vlog. C'est quoi ça? C'est du. De la courgette. Ah oui. Je crois que c'est du poisson. C'est du. C'est de l'aubergine. L'aubergine, voilà. Il y a combien de gens qui nous regardent là? Là pour l'instant, personne, mais il y en aura pas mal. Vous allez être célèbre. Ah, mais je suis déjà. Ah, bah ouais. On va terminer notre apéritif et savourer cette gourmande salade avant d'aller digérer devant de jolis monuments. Tu me pardonneras par la suite les vidéos en mode vertical. Je n'ai pas encore le bon matériel, mais ça ne saurait tarder. Pour que tu aies des vidéos de qualité et moi des souvenirs à ne plus en finir. Promis, la prochaine fois, j'essaye le Phuket. Franchement, ça donne super envie. On est dans un petit moment touristique. On prend le temps de regarder les boutiques de luxe avec leurs vitrines les plus extravagantes. Franchement, c'est canon. Bon, on n'est pas encore à s'acheter du Louis Vuitton ou du Dior, mais c'est canon. Bon, petite anecdote, on a traversé ce rond-point à pied. On a failli se faire ébouiller 20 fois. À nous va faire. Clairement, on ne savait même pas comment faire en fait pour rejoindre le dessous de l'Arc de Triomphe. On a réussi. Du coup, on a passé un petit moment solennel. Vive la France. Non, c'était hyper dangereux en vrai. Du coup, on a trouvé le passage après. On a été un petit peu plus intelligente. Pour retrouver le jour et prendre le taxi. C'est possible? Pardon, pardon, j'ai ouvert en même temps. Merci, je te laisse. Bonjour. Je t'embarque avec moi au musée Grévin pour une petite visite ensemble. Un endroit magnifique. J'avais vraiment envie d'y aller depuis très longtemps et j'ai enfin eu l'occasion. Et si tu en as l'occasion, toi aussi, n'hésite pas à y aller, bien que je te spoil pas mal de choses dans ma vidéo. C'est magique. Franchement, quand tu arrives, c'est juste magique. C'est incroyable. Le travail, les détails. Bah, je suis sous le charme, quoi, tout simplement. Avant de commencer la visite, je dois te présenter mon nouveau mec. Eh oui, Ryan Gosling. Vraiment pas mal, non? Je te raconte pas ce qui s'est passé à l'hôtel, ça ne te regarde pas. Allez, c'est parti. C'est incroyablement bien fait. Quand tu les regardes de près, t'as l'impression qu'ils te regardent aussi. Jean-Paul Belmondo. J'adore. J'ai vu tous ces films avec mon papa. On arrive à l'endroit préféré de Dodi. Les flashs. Tu sais combien j'adore poser devant l'objectif.
le coin des artistes, accueilli bras ouverts par Cadmerade. En arrière-plan avec une scène de Frank Sinatra. Du Bosque dans le coin. Mimi Mati. Catherine Frotte. Franchement, c'est incroyablement bien fait. Kev Adams, on dirait lui. Anne Roumanoff. On change de décor. Tour de magie. Et Dodi est dans les airs, les gars. Je m'y suis cru, hein. Allez, je te laisse profiter un petit peu de cette visite. Mélodie Nelson, à chaque fois que j'ai pu dire mon prénom, on m'a toujours fait la référence avec Serge Gainsbourg. Un petit verre. Place à la royauté. Mais virez-vous. Monsieur Sarkozy et Carla. Les cuisiniers. Rien que les petits choux, quand je les ai vus, j'avais envie de les manger. Les macarons, ceux-là. J'ai mes deux injections, monsieur le président. Ça s'est passé pendant mes chimiothérapies. Allez, on change de décor. Et on part pour un voyage dans le temps. Alors lui, je le connais pas. À mon avis, c'est quelqu'un qui garde le temps. Bon, je pense que celui qui arrive, tu vas le reconnaître directement. On passe à l'histoire. Tu vas tomber sur un de mes cousins germains. Tu vas tout de suite le reconnaître. Il est là. Napoléon. Alors là, par contre, il était vraiment tout petit. Je sais pas si c'est sa taille réelle. Moment de recueillement face au pape et Gandhi, grand maître. Petit coup de flip. Avant de passer dans le coin des enfants avec le petit prince Miraculous, je crois qu'on dit comme ça. Le coin des sportifs, des nageurs, Cristiano Ronaldo, Messi. C'est plus pour les messieurs, ça. Alors toi, dès que je t'ai vu, je t'ai mis une petite claque. Car t'as raté tous tes buts. Zlatan. Et on passe tout de suite à Clo-Clo. Il manquait juste les Claudettes. Katy Perry. Kenji. Edith Piaf. J'ai démarré avec elle, je l'adore. Nicole. Johnny Hallyday. Rip, on pense à toi. Le roi de la pop, Michael Jackson. Et c'est parti pour The Voice. Il nous a pas fallu très très longtemps pour faire les gamines. Vu le décor, on s'y croit vraiment.
tellement d'ailleurs que, bah voilà, Dodie dans toute sa splendeur, une scène et c'est parti. Un peu de tenue, mademoiselle. Monsieur Jean-Paul Gaultier vous regarde. Mais regarde-moi cette beauté. Ça vaut un silence absolu. C'est magnifique. Ma pub pour Rose Up, je sais pas si tu t'en rappelles. Juste devant les beaux gosses. Lequel choisir ? Je crois que j'ai ma petite préférence. Charlie Chaplin, je te présente même pas la Queen. Marilyn, Nicolas Cage et ses films d'action qui m'ont bercé pendant mon adolescence. Céline et René, c'est la fin de la visite, donc je vais te laisser ici. Mais retrouve-moi dans le Dodie in Paris pour voir la suite dans l'épisode 3.